encore dûment signé, ils ont préféré de nous attaquer, en fait de nous museler. Eh bien, nous n'avons que fait répliquer à leur fait. Est-ce que vrai que vous avez eu des accords et des pourparlers avec le président Tshisekedi? Ah oui, monsieur, oui. Et les accords existent, monsieur. Avant qu'il soit le président de la République, il était l'autre. Hein? Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, mais nous avons fêté, non? Nous étions tellement ravis déjà, puisqu'on voyait, il nous a appelé à Kinshasa. Nous avons fait 14 mois, monsieur. Il nous a donné une résidence à Gombe. Nous avons 14 mois de négociations à Kinshasa. Et vous dites que vous étiez en pourparler avec Tshisekedi bien avant qu'il arrive au pouvoir. Et vous dites que Tshisekedi était M23, il était avec vous? Oui. Donc, mais monsieur, n'est-ce pas, c'était un secret dépositionnel. Lorsque on s'est battu contre l'autre gouvernement de Kabila, mais Tshisekedi était pour nous. Il nous parlait, on s'est parlé. Il était parmi nous. Il était le nôtre. Quand, qu'est-ce qu'il vous a promis concrètement qu'il n'a pas respecté, M. Tshisekedi? Nous sommes allés, nous avons fait 14 mois, il nous a donné une résidence combien, et nous sommes attendus sur beaucoup de choses, notamment, nous sommes dit, tous les militaires du M23 vont désormais appartenir au président de la... Ils seront à la disposition du président de la République, y compris les politiciens du M23. Nous avons signé ces accords. Oui. Après, nous sommes attendus ceci. Nous devons créer une brigade d'intervention. Cette brigade sera composée de 4 bataillons. Et cette brigade aura pour mission d'aller piquer les ADF. On nous a demandé d'aller à 120 km de Kinshasa. La vidéo existe. Je dois même vous envoyer cette vidéo où le M23 nous étions à 120 km de Kinshasa dans le camp militaire pour effectuer les camps de cantonnement, messieurs. Il a signé des accords. Il nous a donné l'espoir. Mais en vain, il n'a rien concrétisé comme accord. Il a encore préféré de venir nous attaquer. Voyez vraiment cette malignité-là qui nous inquiète, monsieur. La guerre qui reprend aujourd'hui dans l'Est de la République, pour vous, la cause et le responsable de ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi.